Je ne veux pas, comme la plupart des gens, avoir vécu pour rien. Je veux être utile ou agréable aux gens qui vivent autour de moi, qui ne me connaissent pourtant pas. Je veux continuer à vivre, même après ma mort. Je ne veux pas, comme la plupart des gens, avoir vécu pour rien. Je veux continuer à vivre, même après ma mort. Quelle déclaration! Elle n'a même pas 15 ans. En lisant le journal d'Anne Frank, quand on arrive à cette phrase du 5 avril 1944, qu'on a déjà lue et découvert tout ce qu'elle a enduré, la peur d'être découverte, la clandestinité, la promiscuité avec sa famille, la culpabilité vis-à-vis de ceux qui sont arrêtés, quand on arrive à cette phrase, on ne peut pas rester insensible. Je n'ai pas pu rester insensible. Et c'est pour ça que j'ai souhaité créer un spectacle qui lui rend hommage et qui lui permet en quelque sorte de continuer à vivre, même après sa mort. Laissez-moi vous emmener dans quelques étapes de cette création. Nous sommes en été 2015. Je suis alors étudiante en dernière année de bachelor à la Haute École de Musique de Lausanne. Sirotant un délicieux chai dans mon café favori, je suis plongée dans ma lecture du journal d'Anne Frank. L'idée et le projet de composer de la musique autour de ces textes est déjà présente. Mais comment le faire? C'est encore flou et abstrait. J'annote mon livre, je sélectionne les passages qui me semblent importants, je gribouille sur quelques feuilles volantes mes idées et j'essaye d'imaginer à quoi ressemblait la vie de la jeune fille. De temps en temps, je dois interrompre ma lecture. Certains passages sont bouleversants et me touchent particulièrement. Parfois, je me sens comme Anne. Parfois, je ne la comprends pas. Souvent, elle m'inspire. Ce jour-là, dans ce café, c'est le texte du 23 février 1944 qui me laisse sans voix. Pour tous ceux qui ont peur, qui sont solitaires ou malheureux, le meilleur remède est à coup sûr de sortir, d'aller quelque part où l'on sera entièrement seul, seul avec le ciel, la nature et Dieu. Car alors seulement, et uniquement alors, on sent que tout est comme il doit être, et que Dieu veut voir les hommes heureux, dans la nature simple mais belle. Nous sommes privés ici de beaucoup, beaucoup de choses, et depuis longtemps, elles me manquent aussi, tout comme à toi. Ne crois pas que je parle des choses extérieures, car de celles-là, nous sommes remarquablement pourvus. Non, je veux dire les choses intérieures. J'ai envie autant que toi de liberté et d'air pur, mais je crois que nous avons été largement dédommagés de ces privations. Je veux dire une compensation intérieure. Ce matin, quand j'étais devant la fenêtre, en regardant dehors, c'est-à-dire en regardant Dieu et la nature au fond des yeux, j'étais heureuse, purement et simplement heureuse. Et aussi longtemps qu'existe ce bonheur intérieur, ce bonheur qui vient de la nature, de la santé et de tant d'autres choses, aussi longtemps qu'on le porte en soi, on se sentira toujours heureux. Richesse, considération, on peut tout perdre. Mais ce bonheur au fond du cœur, il ne peut guère qu'être voilé. Et il saura nous rendre heureux aussi longtemps que l'on vivra. Magnifique. C'est en tout cas ce que j'ai noté dans la marge de mon exemplaire. À ce moment, il est pour moi très important de transmettre l'émotion ressentie suite à la lecture de ce texte. Et je choisis de le faire à travers la musique. Elle a cette capacité de toucher ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Bien qu'elle n'ait pas de mots, la musique parle. Elle peut exprimer ce qui se trouve entre les lignes. Je souhaite composer une musique qui n'est pas seulement narrative, mais une musique presque méditative, qui offre un instant à l'auditeur pour intégrer, intérioriser ce qui vient d'être raconté. Nous sommes toujours en 2015, au début de l'automne. Ce qui était flou l'est un peu moins. J'ai terminé de sélectionner les passages qui apparaîtront dans mon spectacle. J'ai choisi qu'ils seront lus par 3 jeunes comédiens, 2 filles et un garçon. Et j'ai enfin décidé quelle sera la formation d'instruments. Un quatuor à cordes, une harpe et une clarinette. Non plus dans un café, mais en face de mon piano, je commence la composition. Je suis alors seule avec les textes d'Anne
et mes pensées qui fusent dans tous les sens. Pourquoi me suis-je lancée dans un projet si fou? Suis-je vraiment compositrice? Et je n'ai même pas encore trouvé tous les musiciens. Malgré ces doutes et ces questions, l'envie de raconter l'histoire de la jeune fille est plus forte. Et il y a aussi quelque chose de passionnant dans le fait de créer. Quelque chose qui n'existait pas devient. Poussée par cet élan, je continue d'étaler l'une après l'autre les notes sur cette partition qui porte mon nom. Marilyn, le danger, c'est de vouloir tout faire toute seule. Voilà ce que mon professeur me dit un jour. Suivant son conseil, je contacte une metteur en scène qui, à ma plus grande joie, accepte de m'aider pour la concrétisation de mon projet. Ses compétences amèneront une dimension supplémentaire au texte et à la musique, un aspect théâtral dans la manière d'occuper la scène. Ajoutant comédien, puis musicien, ce qui a commencé en solitaire devient un projet d'équipe. Lors des répétitions, quand le texte et la musique se rencontrent enfin, la profondeur des textes du journal apparaît différemment. Le mélange des arts rend plus qu'une simple lecture sur texte musical. Ce mélange des arts semble donner vie au journal. C'est le 12 mars 2016, au Théâtre de la Ruelle, dans une mise en scène d'Hélène Bollans, que naît véritablement, au contact du public, ma première création. Une création qui rend hommage à Anne Frank, mais également à toutes les victimes de guerre. Car des Anne Frank, il en existe encore aujourd'hui. Pour terminer ma présentation, je souhaite vous offrir un petit aperçu de mon travail dans lequel j'espère vous percevrez ce dont je vous ai parlé. Pour cela, je laisse la place aux comédiens et aux musiciens de mon équipe qui ont pu être présents ce soir. Mercredi 23 février 1944. Depuis hier, le temps est superbe et je me sens toute requinquée. Mon écriture, ce que j'ai de plus précieux, avance bien. Hier, quand je suis remontée au grenier, Peter était en train de faire du rangement. Il en a très vite fini, et quand je me suis assise, à ma place préférée, il est venu me rejoindre. Nous avons regardé tous les deux le bleu magnifique du ciel, le marronnier dénudé, aux branches duquel scintillaient de petites gouttes, les mouettes et d'autres oiseaux qui semblait d'argent sous le soleil. Et tout cela nous émouvait et nous saisissait tous deux à tel point que nous ne pouvions plus parler. Pour tous ceux qui ont peur, qui sont solitaires ou malheureux, le meilleur remède est à coup sûr de sortir, d'aller quelque part où l'on sera entièrement seul, seul avec le ciel, la nature et Dieu. Car alors seulement, et uniquement alors, on sent que tout est comme il doit être, et que Dieu veut voir les hommes heureux dans la nature simple mais belle. Je crois fermement qu'au milieu de toute la détresse, la nature peut effacer bien des tourments. Nous sommes privés ici de beaucoup, beaucoup de choses, et depuis longtemps, et elles me manquent aussi, tout comme à toi. Ne crois pas que je veux parler de choses extérieures, car de celles-là, nous sommes remarquablement pourvus. Non. Je veux dire les choses intérieures. J'ai envie, autant que toi, de liberté et d'air pur. Mais je crois que nous avons été largement dédommagés de ces privations. Je veux dire une compensation intérieure. Ce matin, quand j'étais devant la fenêtre, en regardant dehors, c'est-à-dire en regardant Dieu et la nature au fond des yeux, j'étais heureuse. Purement et simplement heureuse. Et aussi longtemps qu'existe ce bonheur intérieur, aussi longtemps qu'on le porte en soi, on se sentira toujours heureux. Richesse, considération, on peut tout perdre. Mais ce bonheur, au fond du cœur, ne peut guère qu'être voilé. Et il saura nous rendre heureux aussi longtemps que l'on vivra.
Merci.